confirmé, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre 2023. Le chef de l'État congolais a officiellement déposé son dossier de candidature ce samedi 7 octobre au bureau de réception et traitement de la Commission électorale nationale indépendante. Les images à suivre dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. La troisième journée de la visite de travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kolwezi, dans le Lualaba, a été marquée par l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Busanga, à une centaine de kilomètres de Kolwezi. La centrale va alimenter en électricité les industries minières et la province. Pierre Kibambe-Somoïsa. La coopération sino-congolaise est au beau fixe. Le barrage hydroélectrique de Busanga consolide davantage cette coopération qui s'est vue gagnant-gagnant. En séjour au Lualaba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé procéder ce vendredi 6 octobre à l'inauguration officielle du barrage de Busanga à une centaine de kilomètres de Kolwezi. Sur le site, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la matérialisation du projet de la centrale hydroélectrique de Busanga et le programme de développement de 145 territoires dont le Lualaba est l'une des provinces bénéficiaires. Plusieurs intervenants, le responsable de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, des collaborations, le directeur général de CREC Ressources et le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ont à tour salué l'inauguration du barrage de Busanga qui va exercer une influence positive sur le développement des infrastructures et des villes, et ce, grâce au leadership éclairé du président de la République qui a conclu avec son homologue chinois Xi Jinping le partenariat stratégique pour une coopération globale gagnant-gagnant. C'était au cours de la visite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, visite qui a permis de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération sino-congolaise, a renchéri l'ambassadeur de Chine en RDC. Le président de la République a coupé le ruban symbolique de la nation de Busanga. Le Lualaba est désormais une des qui vient résoudre le problème d'électricité grâce à la centrale hydro de Busanga d'une capacité de 240 MW. Cette centrale de la société sino-congolaise va alimenter toute l'industrie minière et la province du Lualaba. Le barrage de Busanga, dont le village qui porte le même nom, représente pour les habitants de ce coin de la RDC un espoir de voir et d'utiliser les courants électriques, aussi un ouf de soulagement pour les entreprises minières qui ont constamment besoin de l'énergie électrique. Gaëtan Magalano. Au cœur du village Busanga, dans le territoire de Lubudi, deux tam-tam résonnent. Enfin, l'obscurité peut se dissiper à l'avantage de la lumière, lumière caractérisée par la présence de cette centrale hydroélectrique de Busanga qui va fournir de l'énergie électrique aux ménages. Ce que le président vient de faire, c'est énorme, c'est grand. En tant que président de la République, on ne fait que lui jeter les fleurs. Le barrage représente aussi une réponse aux besoins des entreprises minières en ce qui concerne l'énergie électrique. Ça va diminuer tant soit peu le déficit en énergie. Il faut aussi exploiter d'autres sites, puisque Nzilo à lui-même, Bukaka et Busanga ne suffiront pas. Une œuvre de la coopération sino-congolaise, win-win telle que voulue par le garant de la nation, Félix Tshisekedi, en séjour de l'inauguration, ovationné par l'assistance. Pour le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, il ne s'agit que d'un début d'une belle histoire de la coopération sino-congolaise. Je saisis l'occasion que m'offre cette inauguration pour lancer ici un appel sincère à nos partenaires chinois pour qu'ils maintiennent l'esprit de cette convention et qu'ils continuent à réaliser des ouvrages de cette qualité tout en leur garantissant de notre part un accompagnement honnête et équitable
un accompagnement qui préservera en tout temps les intérêts de la République tout en protégeant les droits de toutes les parties. Le barrage de Boussanga, avec sa capacité de 240 MW, constitue la plus importante centrale hydroélectrique dans l'espace Grand Katanga. La société minière Frontier SA a pris part active à l'inauguration du port sec de Lukangaba par le chef de l'État situé à la frontière entre la RDC et la Zambie. Cette société exploitant le cuivre emploie plusieurs Congolais. L'inauguration de ce port sec relancera ainsi l'économie dans cette partie de la RDC. La République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré le port sec Kangaba le mardi 3 octobre dernier. Cette inauguration marque une étape importante pour la croissance économique de la région RDC-Zambie, promettant une multitude d'avantages, notamment l'amélioration de la logistique commerciale et du développement économique. Parmi les invités de marque présents figure Frontier SA, une entité établie au sein de RG Africa, située à la frontière entre la République du Congo et la Zambie, Chakania, comprend une mine à ciel ouvert et une usine de traitement produit de cuivre à haute teneur transformée en cuivre afin de produire la mine d'au moins. La mine française a lancé son projet de théâtre. J'ai s'appuie sur la position récente d'une flotte d'engins de grande capacité permettant des opérateurs de la flotte ainsi sur l'embauche et l'armation des des possibilités d'emploi supplémentaires à plus de 1500 Congolais au cours de sa phase de développement. La délégation de Frontier Mines, composée de ses employés et des représentants des coopératives Shawama et Mwabombeni, soutenue par la société, était dirigée par Sergei Verbitchki, PDG de RG Africa, et Davon Vakabov, directeur général de Frontier Mines. L'inauguration du port sec de Lukangaba revêt une importance significative pour Frontier car il est appelé à jouer un rôle essentiel dans la rationalisation des opérations logistiques et commerciales de la société. La tournée du chef de l'État dans l'espace ex-Katanga est une réussite. Cette confirmation est de l'acteur politique Freddy Kita qui s'est exprimé au micro de nos reporters. Je tiens personnellement à féliciter le président de la République, le garant de la nation, pour sa vision claire. Parce que nous avons tous constaté, depuis son avènement à la tête du pays, il ne cesse de ménager aucun effort pour d'abord stabiliser le pays, et finir mettre fin à la guerre de l'Est, et puis avec le projet des 145 territoires, sur tout le temps du territoire, et il est en train de travailler sérieusement. Nous avons tous suivi l'inauguration à Kolwezi et puis partout ailleurs, et puis surtout le pont qui va nous relier avec la Zambie. C'est un grand projet qui va faciliter le commerce des deux côtés et je suis fier parce que au plan ministère du plan, nous avons travaillé sur ça aussi et je suis sûr et certain que dans les jours à venir, les deux pays, donc la République démocratique du Congo et la Zambie, bénéficieront de ces grands ponts qui vont nous relier désormais. Comme nous le savons tous, chaque état-major se prépare. Les candidats présidents de la République continuent de déposer leur candidature. Aujourd'hui, d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi vient de déposer sa candidature. Et nous osons croire que pendant la campagne électorale, comme je ne cesse de le répéter et de conscientiser le peuple congolais et chaque acteur politique, ça sera une campagne responsable, sans discours déplacé, sans discours de haine, sans un discours tribal. Et sachez que dans le Nord Kivu, des kits de réinsertion ont été remis aux ex-combattants de groupes armés qui ont rejoint le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le détail est dans son reportage. En cette agglomération de Miriki, au sud-ouest du territoire de Lubero, où est érigé les centres d'encadrement et des formations professionnelles des jeunes à risque et des ex-combattants. C'est dans le cadre du projet Mudawamani du consortium ex-EPER, AAP et ASP, sous l'accompagnement du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation qu'il a été construit. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce mardi 19 septembre, présidée par les délégués du gouvernement militaire en présence des administrateurs des territoires de Lubero et Rutshuru. Dans les six prochains mois,
près de 500 ex-combattants et jeunes à risque seront encadrés et formés dans plusieurs filières au sein de ces centres. Un autre ouvrage remis à la population du Sud Lubero, Nord Wito et Ikobo, c'est la route Lousso-Akima-Kabuleusa, réhabilitée dans le cadre du projet Mudawamani. Le délégué du gouverneur militaire inspecte les 34 km réhabilités sur cette route dans l'objectif de faciliter les échanges entre les communautés des Walikale, Lubero et Rutshuru. Arrivé à Lousso dans le Mwito, satisfait par les travaux, il procède à la remise par la coupe du ruban symbolique. Cette réhabilitation aide à réunifier les territoires de Rutshuru et celui de Lubero, même Walikale, et la province du Nord Kivu, qui doit adopter la politique du maintien des transports routiers par la destination des attributs. Cependant, les besoins restent encore énormes. À Lousso, par exemple, la construction du pôle Wolo devient une priorité pour donner la valeur à cette route réhabilitée. Pour le PDDRCS, il est temps de capitaliser ces deux infrastructures remises ces jours pour cultiver la paix et le vivre ensemble à travers la formation professionnelle des jeunes et les échanges socio-économiques des populations. La zone d'ici de Lubero, Nord Bwito et Ikobo, faisait face au dilemme sécuritaire, fragilisant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Grâce aux réalisations du projet Mudawamani, il est transformé petit à petit à une région de paix où la réflexion est virée vers les dialogues démocratiques afin de permettre la réintégration et la réinsertion socio-économique des populations retournées, ainsi que la promotion de la femme, la paix et la sécurité. Godé Kadima et Papi Epiana, respectivement président et questeur de l'Assemblée provinciale, ont été déchus par la plénière de ce samedi. Il leur est reproché le détournement des deniers publics. Deux questions qui défrayent la chronique à l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient à l'ordre du jour de la plénière du samedi 7 octobre, laquelle plénière était présidée par le vice-président Francis Tshibalabala Mukunai. Une situation tendue prévaut entre les élus provinciaux et leurs bureaux. Il s'agit de l'examen de l'adoption de la proposition de résolution de mise en accusation de l'honorable Mpoi Kadima Godefroy pour détournement de deniers publics dans l'exercice de ses fonctions au sein du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'examen et l'adoption de la proposition de résolution de mise en accusation de l'honorable Epiana Nza Mupapi pour détournement de deniers publics dans l'exercice de ses fonctions au sein du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soumise au vote de la plénière, il en est sorti les résultats suivants. 34 députés pour sur les 36, une abstention et un contre. La majorité écrasante l'ayant emporté, les députés Godempoi et Papi Epiana sont destitués de leurs fonctions et seront traduits en justice pour présenter leurs moyens de défense. Il faudra des solutions idoines pour mettre définitivement fin à cette crise persistante qui paralyse le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans la foulée, une autre résolution de déchéance contre le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tshibalabala Mukunai, et le rapporteur de la même Assemblée, Junior Nimbanimba, a été rejeté par la plénière. En mission officielle au Kasaï oriental, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le général-major Abba Van François, a tenu une parade spéciale dans l'enceinte du commissariat provincial de la PNC Kasaï oriental, assisté par le commissaire provincial John Kaboun et son collègue Sébastien Ebois en charge de la réforme de police. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le général-major Abba Van François, en mission officielle au Kasaï oriental, a tenu une parade officielle mercredi 4 octobre 2023 dans l'enceinte du commissariat provincial de la PNC Kasaï oriental, assisté par les commissaires provinciaux John Chabouiné et son collègue Sébastien Ebois en charge de la réforme de la police. S'adressant aux hommes des troupes, le général-major Abba Van François a insisté sur trois principes clés qui caractérisent la PNC, à savoir la discipline, le respect mutuel et le travail en équipe qui doivent contribuer efficacement à l'intellect d'un policier qui, du reste, est un monsieur au service de la nation. Poursuivant son speech, le général Abba Van a insisté sur le caractère apolitique des hommes des troupes. Il a fini son discours par remercier la gouverneure de province Aïe Jili Kalenga Kabongo et son gouvernement provincial qui ne ménage aucun effort
pour mettre à la disposition de la PNC Kasaï Oriental les moyens pour la sécurité des paisibles populations. À la question de la presse sur le processus électoral, la collaboration commissariat PNC et gouvernement provincial ainsi que le recrutement des jeunes à la PNC, le général-major était plus que limpide. C'est ainsi que je suis venu un peu causer avec mes gens pour leur donner certaines instructions du service, comme vous avez suivi. Entre autres, travailler bien avec la population. La population, c'est la nôtre. Ils doivent travailler en collaboration avec la population. Sans collaboration avec la population, la police travaillerait à la veclette. Voilà pourquoi je suis venu leur parler. Le coordonnateur du bureau central de coordination, Jean Mabi, a donné des éléments d'information à la conférence pour le développement du Kasaï Kadesco à Sbel. C'était au cours de la réunion organisée par le président de la Kadesco, Timothée Mouteba. La centrale hydroélectrique de Mbombo, avec une capacité d'environ 10 MW, va desservir Kananga et ses environs. Les contrats d'exécution des travaux sont signés et les financements sont disponibles. Le bureau central de coordination BESECO, par son coordonnateur Jean Mabi, a expliqué les contours du projet à la CODESCO, l'Agence nationale de l'énergie en milieu rural et périurbain ANCER, et l'entreprise choisie pour les travaux ont fait de même. La conférence pour le développement du Kasaï ex-occidental, CODESCO Asbel en sigle, remercie le président de la République par cette déclaration. Remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir ordonné la relance du dit projet. En tant que lobby de développement de la province, apportons notre soutien total et indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République qui, dans sa vision de développement à la base, a décidé de redonner l'espoir à la population de la ville de Kananga et ses environs et souhaitons participer aux structures de pilotage de ce projet. Tertio, assurons le Président de la République de notre disponibilité à accompagner et promouvoir en tant que force vive les différents aspects sociaux de l'électrification de la ville de Kananga auprès de l'opinion. Les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice de l'année 2024 ont été lancés à Chikapa par le ministre provincial de budget avec l'appui technique et financier du projet Encore. Reportage. Travaux connaissent la participation des ministres sectoriels, services d'assiette, la direction générale des recettes du Kasaï et la société civile. Bowenga Efonge Beauregard n'a pas manqué à féliciter le gouverneur de province pour l'intérêt accordé à la réforme des finances publiques à travers le projet Encore et a expliqué l'importance des 10 travaux. Il convient de rappeler que les conférences budgétaires sont un cadre de discussion autour des politiques publiques dont les échanges permettront de déterminer des enveloppes de ressources plus ou moins réalistes qui tiennent compte des capacités réelles de mobilisation de la Direction générale des recettes du Kasaï. J'ose croire que les présents travaux des conférences budgétaires constituent un jalon qui nous permettra d'élaborer sans faille les prévisions budgétaires de la province pour l'exercice 2024. Pour sa part, Bokele Djolei, ministre provincial de budget, a au cours de son allocution remercié le projet Encore pour son appui à la province du Kasaï et lance au nom du gouverneur de province les activités de conférence budgétaire 2024 en fixant quelques modalités de travail. Il nous faudra donc saisir cette opportunité pour nous interroger sur la capitalisation des conférences budgétaires et les reflets sur la mobilisation des recettes de la province. Tout en vous remerciant de votre aimable attention, je déclare ouvert les travaux des conférences budgétaires exercice 2024 dans la province du Kasaï. La salle polyvalente de l'hôpital général de Tshikapa a servi de cadre à ces travaux. Dans l'objectif de promouvoir l'inscription des enfants à l'âge de scolarisation en RDC, l'UNICEF vient de lancer une campagne avec comme thème « Un enfant bien nourri en bonne santé et protégé et apprend mieux dans une école assainie ». Première étape, la province du Kasaï, précisément à Chikapa, où plusieurs écoles, bureaux et autres biens ont été remis par l'UNICEF. Joël Makela. Un enfant bien nourri, en bonne santé et protégé, apprendre mieux dans une école assainie.
thème choisi à la campagne d'appui pour la rentrée scolaire 2023-2024 par l'UNICEF. L'épée d'Ibeléa, dans le secteur de Kibulungu, a été choisi pour le lancement de cette campagne. Le chef du bureau de l'UNICEF, Grand Kassai, Arsène Jean-Richard Nyangora, a remis à la province éducationnelle Kassai 1, 38 écoles, 38 bureaux, 7700 tables et pupitres, 228 salles de classe, construits par des différentes communautés. L'école est cette première pierre qui leur permettra de bâtir leur avenir, assurer leur bien-être et celui de leur famille. Différentes études et enquêtes ont démontré que la question de la non-scolarisation en République démocratique du Congo n'est pas tant liée au refus des parents d'offrir à leurs enfants une éducation, parce que nous avons des évidences que les ménages qui le peuvent financent plus de 75% des dépenses courantes en éducation. Mais cela, la non-scolarisation est plutôt due au manque de moyens de la majorité des familles. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les efforts consentis en décrétant l'école primaire totalement gratuite pour tous les enfants. Prenant la parole, le ministre provincial de l'enseignement primaire et secondaire, Antoine Bouchabou, représentant du gouverneur de la province, a insisté sur la vaccination de tous les enfants et sur les lavages de mains, tout en invitant les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Une visite des salles de classe a clôturé cette cérémonie. Parlons santé à présent. La planification familiale, le soin complet d'avortement centré sur la femme et les violences basées sur le genre. Tous ces sujets ont été développés au cours d'une journée de dialogue entre les différents acteurs communautaires sur le droit en matière de santé sexuelle et reproductive à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Cette rencontre des acteurs de la société civile, leaders communautaires, enseignants, responsables des associations féminines et des jeunes était motivée par le fait que la République démocratique du Congo connaît encore des défis quant à l'accès des services de santé reproductive avec des conséquences qui en découlent. L'on peut citer des grossesses non désirées et des avortements clandestins qui compromettent la santé et la vie des femmes. L'article 14 du protocole de Maputo, cadre légal de l'accès à l'avortement médicalisé en RDC dans des conditions bien précises, notamment en cas de viol ou d'inceste, a été au centre de ces échanges. Ces dialogues qu'on a eu avec les leaders religieux, les leaders communautaires, avec les enseignants, c'est une façon de toucher cette couche-là de la communauté ou des fois a été négligé. Ce qui peut facilement nous aider aussi à disséminer nos informations à travers leurs ondes, à travers aussi leurs sites d'activité. Et maintenant, c'est dit, il faudrait qu'on prenne aussi ceux qui ont quand même un peu d'aura. Oui, nous avons parlé sur le planning familial, on a parlé aussi sur les SCASF, donc sur le complet d'avortement centré sur la femme et la violence basée sur le genre. Quelque chose qui a été un peu méprisé au niveau de la communauté. Initié par la coalition de lutte contre les grossesses non désirées avec l'appui du MSI, ce dialogue dit communautaire avait pour but de dégager un point de vue commun pour la mise en place des stratégies susceptibles d'améliorer l'accès des individus aux services dont ils ont besoin, et ce, afin de jouir effectivement d'une santé sexuelle et reproductive épanouie et sans danger. Lutte contre la protection de l'enfant, notamment dans les zones en conflit. Cette problématique de la réduction de ces phénomènes en RDC préoccupe au plus haut point les institutions gouvernementales. À cet effet, une rencontre a eu lieu entre la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes avec une commission de l'Union africaine en charge de la protection de l'enfant en mission à RDC. Cherche de solutions durables prioritaires à la question de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Il en était question ces jours à l'issue d'une séance de travail entre une délégation de la commission de l'Union africaine chargée de la protection de l'enfant à mission en Kinshasa avec les experts congolais ayant la charge de ces domaines. Il s'agit du vice-ministre de la Justice, Tade Mabulave, et la coordonnatrice de service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, Chantal Yelomoulop.
Madame Sandra Stella, de la délégation de l'Union africaine en charge de la protection de l'enfant, explique le grand de ligne de cette séance de travail. Nous avons pu apprendre que la RDC dispose d'un arsenal non seulement juridique et politique qui se penche sur cette question genrée. Une question qui est aussi associée à un contexte sécuritaire. C'est à travers ces discussions et ces échanges que nous avons eu une assurance et une perspective que les enfants d'aujourd'hui seront protégés et leur protection pourra être assurée demain et à l'avenir. Il est important de noter que plusieurs recommandations ont été envisagées, question de réduire de manière drastique ces fléaux dans notre pays. La promotion de la masculinité positive, la lutte contre les inégalités liées au genre et tant d'autres questions ont fait l'objet d'une conférence débat à l'Université pédagogique nationale UPEN. La vulgarisation de ces missions qui consistent entre autres à la promotion de la déclaration de Kinshasa a assuré la domestication de la masculinité positive dans toutes les provinces et réalisé des études pour améliorer les études dans l'implémentation de la masculinité positive. C'est dans ce cadre que la cellule technique mixte de la masculinité positive a entamé cette série de conférences débat en milieu universitaire. L'Université pédagogique nationale UPN est le premier site choisi pour cette tribune enrichissante d'échanges qui a vu défiler plusieurs experts en question du genre. Dans le cadre des activités de notre cellule qui a dans ses initiatives et dans le plan d'action opérationnel pour cette année, pensé qu'il fallait commencer avec l'alma mater ici, l'UPN, où nous avons venons de sensibiliser sur un thème très alléchant qui est la masculinité en milieu universitaire et son implication et l'implication de la jeunesse ou des étudiants, la communauté universitaire quant à ces. La promotion du leadership féminin et masculinité positive, les cadres juridiques ainsi que les questions sur les violences basées sur le genre ont constitué le fond de la réflexion pour déterminer les seuils de l'engagement collectif. Lancement ce samedi 7 des activités du 60e anniversaire du mois de la jeunesse protestante sous le thème « Choisis la vie ». C'est le premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, révérend Dr Matesso, qui a donné le go à cette activité. C'était à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Cette activité festive de la jeunesse protestante va s'étendre sur toutes les provinces de la RDC et dans toutes les communautés de l'Église du Christ au Congo, tout en respectant la loi de l'Église. Le président national de la jeunesse, Willy Masaka Chitea, a au cours de son speech exhorté la jeunesse protestante à l'amour de la patrie et à l'unité. Ce n'est qu'un lancement. Ce lancement, c'est pour les activités qui vont s'organiser des 100 et quelques mille paroisses protestantes sur toute l'étendue de la République. Le message que nous lançons, et c'est un message d'espoir, un message de courage. Pendant ce moment où la RDC se prépare pour les élections, nous félicitons la CENI, le gouvernement et les chefs de l'État qui ont promis les élections et nous irons aux élections. Le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation ainsi que la Fondation Kadima, partenaire privilégié de la jeunesse protestante, ont remis officiellement des kits scolaires et un don de vivres aux orphelins présents à cette cérémonie. Le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation est là pour appuyer tout processus qui vise l'amélioration de l'éducation et le bien-être de l'enfant congolais. Au niveau de l'école, au niveau de la formation dans les centres de formation et au surtout toute la jeunesse congolaise. Une cérémonie ponctuée par une forte louange et adoration à Dieu avec le musicien chrétien José Ndita et d'autres chorales de l'ECC. Le membre du parti Union démocrate rénové, parti cher à Mwambayi, Moudika, Dominique, était à la suite du président de la République pour le dépôt de sa candidature à la CENI. Mamita Bangoulou.
composée de membres des partis politiques parmi lesquels IDER, Union démocrate rénovée, a accompagné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour déposer sa candidature à la CENI ce samedi 7 octobre pour la présidentielle prochaine de 2023. Des langues se sont déliées pour exprimer leur soutien inconditionnel au chef de l'État pour un second mandat, parmi lesquels Willy Bakenda, chargé de la mobilisation du parti IDR sont. Le mandat passé, il n'a pas pu bien travailler. Il y a eu beaucoup de crocs en jambes que tout le monde connaît, il n'y a pas de secret. Voilà pourquoi ce second mandat que tout le monde puisse le soutenir afin qu'il arrive à bon port. Pour le secrétaire général adjoint en charge de la logistique, le geste posé par le chef de l'État est une preuve de la consolidation de la démocratie en RDC. Nous sommes dans la démocratie, tout le monde est appelé à postuler où il veut. Donc cela prouve à suffisance que notre candidat qui est Fachi Bedon est démocrate. Il a donné la voix à tout le monde à postuler où il veut. Je vais demander seulement à toute la population congolaise de renouveler leur confiance à notre chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi pour continuer le travail qu'il avait déjà commencé. Bientôt, un pont de plus de 50 mètres sera jeté sur la rivière Njili pour permettre la traversée de populations de deux communes, à savoir Mongafula et Nsele, dans le quartier Mwanda Manenga, précisément en raison de la descente du bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, sur le terrain afin de lancer officiellement le travaux de construction. Pascal Chicho, Keren Kankolongo. Soucieux de désenclaver les coins et recoins de la commune de Mongafula, un pont long de 50 mètres sera bientôt érigé sur la rivière Njili qui relie la commune de Mongafula dans son quartier Vulamanenga et celle de l'Antele. Devant ses administrés, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de la commune de Mongafula, a procédé à la pose de la première pierre pour le lancement officiel des travaux du dit pont qui revêt une grande importance. Il a à l'occasion exhorté la population à veiller sur les matériaux destinés à cette fin. Le seul ou l'unique conseil que je peux prodiguer à la population, de protéger tous les matériels entreposés dans leur quartier et de collaborer avec les ingénieurs qui vont jeter ces ponts, de les aider à bien faire le travail, de telle sorte que ces ponts puissent aider la population des dérives pour leur bien-être. Satisfait par ces gestes combien louables, le chef de ce quartier n'a pas gardé la langue dans sa poche. C'est depuis 1955 où on a créé le quartier Vundamanenga, il n'a jamais existé un pont ici. Les gens traversent, surtout les personnes de troisième âge et les petits-enfants traversent difficilement sur un pont à liane. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le bourgmestre nous a honorés. Ceci entre dans le cadre du développement prôné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son vaste programme de moderniser le pays. Et pour finir, une nouvelle structure regroupant les femmes marginalisées et délaissées s'engage dans la lutte pour le leadership féminin positif. Elles ont exprimé cette détermination au cours d'une manifestation organisée ce samedi. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. 20h, Sandra Nyangui sera de vôtre pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme à tous.